payé, bonjour à tous, donc bienvenue dans la quotidienne. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un métier, celui de maréchal ferrant. On en parle avec Marie-Hélène dans notre rubrique Job Éducation. Ensuite, dans le même domaine, je vous propose donc de découvrir ce que c'est le rodéo, un peu la culture caldoche. C'est un peu eux qui le pratiquent, donc on va découvrir tout cela dans notre rubrique C'est bien de chez nous. Et ensuite, je vous propose à la fin de revivre les 20 ans du foyer Resnick du côté de Nouville. On en parle avec Anna dans notre rubrique. On s'occupe de vous pour leur retrouver notre invité du jour. Alors aujourd'hui, je reçois Francia Tissot. Bonjour. Bonjour Elise. Alors en Calédonie, on vous connaît, hein, vous êtes l'auteur de livres. Mais aujourd'hui, on va parler justement du livre « J'ai appris à danser donc sous la pluie ». Donc c'est la suite hein, du premier livre que vous avez écrit, « Le diable, c'est bien amusé ». Donc du coup, est-ce qu'on peut faire un petit résumé de ce premier livre qui raconte un peu votre histoire? Vous parlez de maltraitance, de violence, un sujet assez récurrent dans le monde, mais aussi en Nouvelle-Calédonie, donc des non-dits qu'on doit dévoiler aujourd'hui. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter et raconter un peu votre histoire? Je suis calédonienne et je suis née à Koumac, dans le Nord. Mon histoire, notre histoire se passe dans le Nord. J'ai voulu écrire ce livre parce qu'il traite de la violence contre les femmes, contre les enfants, pour essayer d'ouvrir les yeux aux gens, mmh. et aussi pour qu'ils portent un regard aiguisé sur la souffrance des femmes et des enfants. Mmh. Alors, vous utilisez des mots très simples, donc vous racontez un peu votre histoire. Est-ce que quand on lit un peu des passages de votre premier livre, on a l'impression qu'on est dans un film d'horreur? Donc, est-ce que les gens vous ont déjà posé la question? Est-ce que c'est réel? Ah, bien sûr, pas beaucoup, parce que... Oui, il y a quelques personnes qui m'ont posé la question, mais on n'écrit pas une histoire sordide, une histoire aussi dure, aussi violente, pour raconter des bêtises ou des mensonges, parce que je sais très bien qu'ils n'auraient pas passé mon livre, premièrement, et deuxièmement, j'aurais pris des risques. Des risques, oui. Et non, j'ai écrit la vérité, ce qui s'est passé a été écrit. Bien sûr, j'ai romancé certains passages mes grands-pères, mes grands-mères, parce que je ne connaissais pas tout. J'ai écrit ce que je savais et en faisant un petit, en romançant un peu autour d'eux. Mais à partir de ma mère, j'ai écrit ce que ma mère m'a raconté, j'ai écrit ce que nous avons vécu et voilà. Oui, non. C'est une histoire sordide, difficile à comprendre même ou à croire, mais elle est là, c'est la vérité. Alors pour ceux qui n'ont pas lu votre premier livre, quel genre de violence vous avez vécu dans votre enfance? Et aussi en parlant de votre grand-mère et votre maman, parce que finalement, on peut dire que c'est héréditaire la violence chez vous. Enfin, je veux dire, c'est une question assez dure, mais c'est la vérité. Et oui, c'est la vérité. Quatre femmes ont vraiment souffert. Il y a tout d'abord eu mon arrière-grand-mère qui avait été vendue. Elle était vietnamienne. Imaginez cette petite vietnamienne vendue à un Français. Il ne l'a jamais épousée, il n'a jamais reconnu ses enfants. Donc déjà là, il y avait une violence, c'était une insulte. Et il y a eu après ma grand-mère qui a été donnée. Il y a eu après ma mère qui a été abandonnée, bien sûr, et qui a été vraiment maltraitée par sa belle-mère. Puis il y a la nôtre, mes frères, mes sœurs et moi. Là aussi, nous avons été abandonnés par notre mère, nous avons subi les pires violences. C'est-à-dire privés de nourriture, battus, insultés, violés. Mm-hmm. Pas tous, mais en tous les cas, moi, puisque j'en parle. Et je ne suis pas là pour parler de ma famille, des autres. Mais donc, on a connu vraiment la violence sur toutes ces coutures. Alors, où est-ce que vous avez été chercher cette force pour finalement raconter votre histoire? Donc vous utilisez des mots simples, mais des mots durs. Donc du coup, comment vous êtes, où est-ce que vous avez été chercher cette force pour pouvoir écrire ces mots, raconter votre histoire? Vous savez, quand il y a un trop-plein, quand il y a vraiment un trop-plein, il faut un moment ou l'autre, faut lâcher. Donc, je ne savais pas comment le faire parce que je cachais à tout le monde. Il ne faut pas l'oublier, ce livre, ça a été comme une bombe. Parce que personne, mes amis, les trois quarts de ma famille ne savaient pas, ou savaient fermer les yeux, je n'en sais rien. En tous les cas, la force que j'ai eue a été
autour de moi, je voyais, il y avait le trop-plein chez moi, mais autour de moi, la télé, les nouvelles, j'avais toujours des nouvelles où les enfants, les femmes, violées, battues, certains en mouraient. Et il a fallu que je parle. Je me suis dit, et si je racontais mon histoire, peut-être que les gens vont se pencher sur la souffrance. Et voilà, c'était un peu le but. Parce que écrire son histoire, c'est revivre ces moments de violence. Je l'ai revécu, je peux vous le dire. Lorsque j'ai eu terminé d'écrire mon livre, lorsque la dernière page, à la dernière ligne, j'ai posé mon manuscrit, je me suis mise à pleurer, je crois que... Jamais autant pleuré. Ça sortait de moi, c'était des sanglots. Voilà. Donc l'écriture a été libératrice, si on veut bien. Parce qu'une souffrance d'enfance, on ne l'oublie jamais. Et ceci s'est passé justement en Nouvelle-Calédonie. Ah oui, bien sûr. C'est vrai que la nouvelle génération d'aujourd'hui, après avoir lu ce livre, ne pensait pas justement, moi la première, que ces choses-là ont pu être vécues ici en Nouvelle-Calédonie. Et d'ailleurs, il y en existe encore aujourd'hui. Tout à fait. J'ai beaucoup de confidences. J'ai eu beaucoup, beaucoup de confidences, des femmes, de jeunes femmes, des femmes de mon âge, plus âgées, qui viennent maintenant avec leur histoire, qui me le racontent. C'est tabou, elles ne m'en parlent qu'à moi, elles n'en parlent à personne. Ça reste tabou. Et voilà encore une raison de lire Le Diable, c'est bien amusé. Je veux que ces femmes comprennent qu'elles ne sont pas seules à souffrir. On souffre beaucoup, il y a beaucoup de femmes qui souffrent. Et il faut se libérer, si on garde tout pour nous... On n'arrive pas, on n'arrive plus. Et puis, c'est une façon aussi d'essayer de stopper ce fléau. Alors, vous avez justement écrit ce premier livre. Ceci est la suite, le deuxième livre est la suite justement de ce premier livre. Donc, c'est les lecteurs, en fait, les lecteurs qui ont voulu également lire ce livre, vous ont poussé justement à écrire ce livre parce qu'ils ont aimé. Et donc, du coup, ça vous a poussé à écrire ce deuxième livre. Bien, les questions étaient sans arrêt, mais qu'est-ce que vous êtes devenu? Quand est le prochain? On veut la suite. Et ça a été une politesse envers mes lecteurs. Je devais leur répondre, je devais leur montrer que oui, il y avait encore des choses à dire, mais leur montrer aussi, pour les victimes surtout, qu'il n'y a pas que... qu'on peut en guérir. Pas en guérir, mais on peut continuer son chemin et on peut voir... comme je dis toujours, après l'orage, l'arc-en-ciel. Et donc, ce deuxième livre raconte l'histoire de votre sœur. Donc, c'est le témoignage de votre sœur. Donc, il y a des passages qui m'ont beaucoup choquée dans ce livre. Donc, où elle avait 3 ans et elle raconte un peu l'histoire de la marâtre qui l'attache avec une corde et la jette dans l'eau. Oui. Et c'est assez incroyable. Ah oui, elle était... Et votre frère qui se jette dans l'eau justement pour la sauver. Donc, du coup... Comment elle a vécu tout ça, votre sœur? Comment vous avez eu la force également d'écrire ce livre? Très mal. Je lui ai d'abord demandé l'autorisation, parce que je n'ai pas écrit ce livre sans son autorisation. Comme j'avais demandé à mon frère l'autorisation également d'écrire Le Diable, c'est bien amusé, je leur avais demandé. Et ma sœur souffre encore beaucoup de toutes ces souffrances. Elle n'est pas complètement guérie. Mais bon, il faut bien faire avec, il faut continuer. Elle a beaucoup souffert, elle a souffert dans les mains, elle a été abandonnée très petite, elle avait 9 mois. Elle a souffert dans les mains de notre marâtre, mais elle a également souffert plus tard dans les mains de ma mère, puis dans les mains d'une tante. Parce que votre maman, justement, ne voulait pas vous garder et ne l'aimait pas. Elle ne la connaissait pas, elle ne l'aimait pas. Et le papa non plus, puisque le papa voyait tout mais ne disait rien, votre papa. Ah oui, oui, le père voyait tout mais fermait les yeux, c'était... C'était horrible. Mais oui, c'est horrible, tout à fait. Et là, je vois encore qu'il se passe des choses comme ça, où les belles-mères battent leurs enfants, ou les beaux-pères, et les femmes ne disent rien, les mères ou les pères. Non, il faut défendre ces enfants. Alors, vous organisez plusieurs rencontres avec les femmes calédoniennes. Donc, qu'est-ce que vous leur dites? Quels sont les partages que vous faites avec elles? J'ai beaucoup de partages. Tout d'abord, elles sont très à l'écoute, et je suis très à l'écoute aussi. Donc, je les rencontre et je leur raconte un peu mon histoire. Et elles me regardent, elles se disent, bon, ben, si elle a le courage de parler d'elle, de dire ce qui s'est passé sans tabou. Et bon, c'est pas toutes, mais elles viennent et vous les voyez se lever d'un seul coup pour la première fois. Elles parlent de leur souffrance, mais ce sont des femmes de 30 ans, 40 ans, 50 ans, 80 ans qui viennent. À Koumak, par exemple, il y a eu une femme qui avait 80 ans. Et
Moi, j'ai été violée à 8 ans, je l'ai dit, et elle aussi, elle avait été violée à 8 ans. Mmh. Et c'est ce qui a déclenché chez elle l'envie de partager. Et ce que je regarde, ce que j'admire chez ces femmes, c'est d'un seul coup, elles ont toute envie de la protéger. Alors qu'on a honte, on a peur, on a très peur du regard des autres, on a peur d'être jugée. Et c'est le contraire, les femmes viennent, vous protègent, même les hommes. Hein, la souffrance n'est pas seulement... n'est pas subie non seulement par les femmes et les enfants, elle est par certains hommes aussi. Mmh. Et tous les hommes ne sont pas des violeurs et des méchants, il y a des femmes qui sont très méchantes aussi. Mmh. Tu sais, moi, ce que j'aimerais, c'est que la souffrance, la maltraitance cesse. Mmh. Alors, vous viviez justement en Australie, je suppose que la Nouvelle-Calédonie, c'était votre pays d'enfance, mais c'était aussi un pays où vous avez vécu beaucoup de malheurs. Donc, du coup, là, vous êtes en Australie. Aujourd'hui, vous vivez en Nouvelle-Calédonie. Oui. C'est un choix. Alors, pourquoi ce choix aujourd'hui? Je viens d'arriver, ça fait 3 semaines que je suis en Nouvelle-Calédonie. Le choix est tout simple. Mon mari a décidé de... passer un peu de temps auprès de son fils et de ses petits-enfants. Donc on a fait le choix de venir pendant 3 ou 4 ans. Et si ça se passe bien, on restera. Mmh. Si l'Australie, Sydney nous manque, on retournera. Je ne sais pas. Et donc vous avez vécu des violences, mais vous avez décidé de ne pas le faire vivre à vos enfants. Ah mais tout à fait. Mmh. Ma fille, mes enfants sont gâtés. Mes enfants, passent en premier. Mes frères et sœurs aussi. Mmh. Je suis très famille. Ma famille est très importante. Et je suis pour eux, à leurs yeux, un peu comme la mère. Mmh. Et surtout pour ma sœur, ma petite sœur, que j'ai appelée Ariel dans le livre. Je suis sa mère plutôt que sa sœur. Mmh. Mmh. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui aux femmes calédoniennes qui subissent des violences et quel est le constat que vous faites en Nouvelle-Calédonie? Qu'est-ce que vous avez envie de dire aussi à toutes les Lisianes qui justement provoquent des violences? Eh bien, tout d'abord, on va commencer par les méchantes personnes. Je leur demanderai de réfléchir, parce que lorsqu'elles se marient avec un homme, bien sûr, qui a déjà des enfants, ce petit, il a besoin d'être aimé, il a besoin d'être gâté, et elle devrait le considérer comme son enfant. Il n'y a pas de raison de maltraiter un enfant. Les enfants n'oublient pas. Et la loi l'interdit aussi. Et la loi, tout à fait, c'est punissable par la loi. Et là aussi, je voudrais remercier les associations qui, elles, font beaucoup de travail. Elles font énormément de travail. Et toutes ces femmes même qui s'occupent de tout, qui font tout. Moi, je vois bien en brousse, toutes ces femmes qui se démènent pour essayer de protéger les enfants et la femme, c'est merveilleux. Elles font un travail extraordinaire. Je voudrais aussi dire aux hommes de protéger leurs enfants. Ce n'est pas parce qu'ils sont divorcés qu'ils doivent abandonner leurs enfants, et la mère aussi d'ailleurs, et les battre ou les laisser battre. Mmh. Ce n'est pas normal. Maintenant, aux femmes abusées, je voudrais leur demander de laisser tomber ce tabou, de ne pas avoir peur, de faire comme moi, de ne pas faire comme moi finalement, de ne pas attendre 50 ans, mais de se libérer de ce mal et de dénoncer, de ne pas accepter. Elles sont femmes, elles sont belles, elles sont mamans, elles portent l'enfant. Et messieurs, s'il vous plaît, respectez vos femmes, aimez vos femmes et vos enfants. Et vous verrez que le monde sera merveilleux. Mmh. Voilà, donc c'est le message de Francia Tissot, à savoir que les livres donc, sont disponibles dans les librairies de la place. Si vous voulez les lire, donc n'hésitez pas à les lire, surtout pour rendre hommage justement à ces femmes qui subissent des violences. Donc Francia Tissot, si vous n'avez rien à rajouter, merci d'avoir accepté cette invitation. Je vous remercie, Élise. Allez, on passe tout de suite à l'agenda du pays. Bonjour Davina, donc on te retrouve pour l'agenda du pays. Bonjour. Bonjour Élise. Et deux fois bonjour, attention, je suis contente de te voir. Oui, t'es trop contente de me voir. Et moi aussi, bon, tant mieux alors. Hein. Ça veut dire que tu écoutes ce que je te dis aussi peut-être. Ben, heureusement. Donc on commence tout de suite. Si tu le veux bien, on va du côté de Touho. Oui. Donc là-bas, il y a l'association Animation du littoral de Touho qui organise en partenariat avec l'association Initiative de Touho et le service Animation de la mairie l'arrivée du Père Noël.
Donc ça se passera. Tout le monde l'attend, hein, le Père Noël. Tout le monde l'attend et à Touau spécialement, ils l'attendront le mercredi 24 décembre. Donc le Père Noël commencera sa tournée dans les Hauts-de-la-Haute. Il ira ensuite à Coé, à Tipuapi, avant d'arriver à la mairie. Donc tout au long de sa traversée, distribuera des bonbons, puis il invitera les enfants à venir avec lui à la mairie. Mmh. Parce que là-bas, il y a encore des animations qui les attendent. Et notamment, il y aura la distribution de bûches de Noël, de boissons. Il y aura aussi la possibilité de faire des photos souvenirs pour ce Noël 2014. Et puis, pourquoi pas participer aussi au petit feu d'artifice qui sera tiré au moment où il va partir. Donc voilà, pour lui dire au revoir. Attention, notez que le feu d'artifice, le vrai, le annuel, le grand feu d'artifice, lui, aura lieu le samedi 27 décembre du côté, il sera tiré de la baie du village. D'accord. Et bien voilà, rendez-vous tous le 24 décembre à 20h, donc pour nos amis de Touau. Et on poursuit, quant à nous, avec une information pratique concernant le parc zoologique et forestier. Oui, c'est ça. Donc, le parc zoologique et forestier de la province sud informe qu'il sera fermé exceptionnellement le samedi 13 décembre, toute la journée. Il réouvrira aux heures habituelles le dimanche 14 décembre. Bah oui, parce que les animaux, ils ont aussi besoin de cadeaux et de recevoir le Père Noël, oui, pour plaisanter. Et donc, direction Boulou Paris, donc avec une information qui concerne l'association des malades évasanés donc de Boulou Paris. Oui, c'est ça. Donc, l'association des malades évasanés de Boulou Paris organise une journée récréative le samedi 13 décembre du côté de l'église de Boulou Paris. Donc, au programme, il y aura notamment, puisqu'ils sont à l'église, une messe pour les personnes qui sont malades. Et puis, il y aura aussi un repas partage, solidarité, ils appellent ça. Donc, voilà, à partir de 11h30. Et aussi, ils attendent le Père Noël. Il y aura l'arrivée du Père Noël dans l'après-midi. Donc, si vous souhaitez avoir des informations, je vous donne le numéro de son président. Donc, le 83 44 60 et Monsieur Brousté, que l'on a pu recevoir d'ailleurs en plateau ici. D'accord. Donc, on va où pour la suite la caravane du Père Noël, elle s'arrête où ensuite? Pour la suite, Élise, on retourne au nord et là, je te propose qu'on aille à la journée porte ouverte de l'association Natals. Mmh. C'est une association sportive, donc ils proposent de venir les rejoindre à l'hôtel Lanéa. Ça se passera le samedi 13 décembre à partir de 8h45. Au programme, ils proposent de venir s'initier à la Zumba, à l'aquagym, au yoga ou encore au dance hall, pourquoi pas, pour ceux qui ont une âme de danseur comme Élise. Donc voilà, une activité pour ce week-end, pourquoi pas. Voilà, pourquoi pas. Et puis, on rappelle en passant qu'il faut au moins 30 minutes d'activité physique par jour. Donc, faites comme nous, comme moi et puis David, enfin surtout comme moi. Donc voilà, on parle sport. Oui, tu as raison Élise, il faut bouger au moins 30 minutes par jour et il faut manger aussi au minimum 5 fruits et légumes par jour. Et pourquoi pas aller faire ces petites courses justement au marché VKPP, donc Vaux-Connet-Point-Bout-de-Poya, pour aller faire le plein de fruits et légumes, n'est-ce pas? Donc ça aura lieu le samedi 13 décembre sur le site de Karadji à Poya, de 8h à 17h. Donc sur les étals, il y aura bien sûr le très populaire litchi de Wailou, mais aussi les poissons de Poum. Vous trouverez aussi les fruits de mer, les légumes, je vous l'ai dit tout à l'heure, les fruits, les plantes, enfin, puis tout ça sur de la musique, puisqu'il y aura aussi une scène musicale. Et d'ailleurs, tu parlais du fruit rouge donc de Wailou, le litchi, et d'ailleurs, il est mis à l'honneur, justement, à Lifou. Oui, c'est ça, t'as raison. Si, c'est aujourd'hui, t'as raison. D'accord, aujourd'hui. Voilà, petite parenthèse, aujourd'hui, du côté de la tribu de Nacham à Lifou, il y a aussi la fête du litchi qui est organisée. Donc, au programme, il y aura bien sûr la vente de litchi, mais pas que, tu sais, il y aura des dégustations de plats à base de litchi de nos amis de Lifou. Donc voilà, il y aura aussi des danses pour que vous puissiez vous regarder tout en mangeant vos litchi. Et puis, il y aura aussi, plus sérieusement, la sensibilisation phytosanitaire. Et puis, on va s'informer aussi sur les plantes envahissantes. Voilà, donc information importante et direction vaut pour une visite à l'écomusée et un tout petit peu d'histoire. Voilà, un petit peu d'histoire. Donc, à l'écomusée de Vaux, il y a une exposition temporaire qui s'appelle Kamalé d'hier à aujourd'hui. C'est visible depuis le 28
novembre dernier. Donc à travers cette expo, vous pourrez remonter les chemins du passé hein, pour retrouver l'histoire de Kamalé. En fait, ce lieu dit de la commune, c'est ça se situe sur les terres de Gatop et c'est là où est maintenant l'écomusée. Donc un bon moyen pour nous de savoir ce qu'il y avait avant et puis de savoir l'histoire aussi foncière. Hein. Pourquoi, qui était là, quelles sont les familles qui étaient installées là depuis 1891 à nos jours. Donc petite parenthèse aussi, Élise, tu sais qu'il y a Kamalé Café, c'est aussi le nom du petit morceau, l'hymne d'accord. de l'écomusée qui a été composé par un artiste justement du coin. Donc ça a fait l'objet d'un clip, mais aussi d'un petit, single, pardon, que vous pourrez récupérer du côté de l'écomusée de Vaud si vous y allez. Donc si vous souhaitez avoir les horaires, ce sont ceux-ci. Donc ils sont ouverts le lundi de 10h à 13h et du mardi au dimanche de 8h à 17h. Voilà donc pour l'agenda. Merci Davina, on te retrouve tout à l'heure pour le fameux. Oui, c'est ça, tout à l'heure, Élise. Quant à nous, on retrouve Duke pour notre rubrique « C'est bien de chez nous ». Bonjour Duke. Alors aujourd'hui, on parle un peu du monde des cow-boys. Bonjour Élise, bonjour à vous à la maison. Alors Élise, on sait qu'ici au pays, les broussards, ou plutôt on va dire la culture caldoche, est très liée au monde de l'élevage bovin. Oui. Et puis, on a souvent en tête, lorsqu'on pense broussard, lorsqu'on pense cowboy caldoche, là, on a souvent en tête l'image du gars sur son cheval avec son fouet, tout ça, qui parcourt un peu les grandes plaines de l'ouest du pays, là, les grandes plaines qui sont occupées par l'élevage extensif bovin. Et puis, voilà, tout ça pour dire que c'est un peu la copie conforme un peu de ce qu'on a pu voir à la télé quand on était plus jeune, avec les westerns américains. Et puis, voilà. L'équipe à Zorro, quoi. Alors, même si on a justement ces images-là en tête, hein, c'est plutôt des cow-boys australiens que les Calédoniens, justement, sont les plus proches. Et je pense notamment aux premiers bovins qui sont arrivés d'Australie. C'est vrai, Lisa. Alors, dans notre chronique, on avait déjà mentionné le nom de James Paddon. Paddon, oui. James Paddon, c'est ce commerçant qui est un peu à l'origine des premiers bovins qui ont été importés ici au pays. Et puis James Paddon, c'était un commerçant qui, à la demande de l'administration coloniale française à l'époque, avait fait venir des bovins, tout ça, et facilité un petit peu l'installation de certaines familles qui sont maintenant les familles des premiers colons libres. Là, c'est pour ça que une partie de la colonisation, là, on l'appelle la colonisation Paddon, la colonisation cheval, un peu par rapport à ces premiers colons libres qui sont arrivés un peu grâce à James Paddon. Alors donc depuis, de nombreuses familles caldoches sont issues de cette colonisation, Paddon ou cheval comme tu l'as dit. Donc beaucoup d'entre elles sont rattachées à cette culture d'élevage et d'entretien de chevaux et des bovins qui font partie justement de leur quotidien, on va dire ça. D'ailleurs la culture cow-boy est tellement présente qu'ici de nombreuses personnes pratiquent le fameux rodéo. D'ailleurs, il y a un championnat qui se passe. Je ne sais pas si on appelle ça un championnat, plutôt une compétition pendant la foire de Bourail. Oui, bientôt un championnat, Élise. C'est en train de se construire tout doucement. Mais pour parler du rodéo, on peut déjà rappeler la petite histoire. En fait, il y a une petite légende par rapport à l'origine du rodéo. On nous dit qu'en fait, le rodéo serait né. Colorado, aux États-Unis. Et puis en fait, c'est deux ranchs, c'est des stockmen, des cow-boys, là, comme on dit, des stockmen qui appartenaient à deux ranchs voisins. Et puis voilà, en fait, la compétition, elle s'est faite un peu spontanément. Naturellement. Et puis, cette petite compétition entre ces voisins-là consistait à gérer au mieux, ou plutôt accomplir au mieux les tâches quotidiennes qui sont demandées dans l'entretien des ranchs. Je pense par exemple à la coupe de tronçons, les gros tronçons de bois, à la hache, ou la fabrication de fer à cheval, ou l'exercice de maîtriser un petit veau, tout ça à main nue, en pleine course, tout ça, c'est
un peu de là qu'est né le rodéo, d'après ce qui nous est dit. Quoi. D'accord. Alors aujourd'hui, ce sport a bien évolué. Hein. Il y a un cow-boy, justement, un rodéoman peut, au péril de sa vie, gagner de très grosses sommes d'argent. C'est vrai, Lise. Alors depuis quelques années, je pense que c'est dans l'État du Texas, à Houston. Mmh. Houston qui organise de très grosses compétitions dans ce genre-là. Mmh. Très grosses compétitions de rodéo. Et puis c'est dans cette ville-là qu'a été proposé pour la première fois un bonus oui. Au rodéoman, un bonus qui atteignait ou qui dépassait le $1 million, Elise. En tout cas, ici au pays, ce n'est pas encore le cas, hein, mais vrai. Ce sport se construit et se structure de plus en plus. Mm-hmm. Ça, on le voit avec la foire de Bourail, par exemple. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a son lot hein, de fidèles. C'est une pratique de plus en plus qui fait tomber justement des barrières et puis fédère hein, des clubs. C'est vrai. Je veux dire, on organise des associations. De plus en plus, ça se structure. Et puis, d'ailleurs, Alice, c'est ce qu'on va voir à travers le reportage que je te propose de regarder avec nos chers téléspectateurs. C'est un reportage signé Antoine Reiss. Antoine s'est rendu sur la commune de Pointe-Bout, au nord du pays. Et puis voilà, il a assisté à un événement qu'ils ont appelé Rodeo by Night. Okay. Et puis voilà, le sujet, il parle un peu de tout ce qu'on a traité dans notre introduction, Alice. Voilà. Aujourd'hui, alors il y a plusieurs jeux, donc il y a le barrel race qui se fait dans le carré, à l'intérieur du carré. Donc on tourne autour des fûts. Ensuite, il y a le 400 mètres ainsi que le 200 mètres et la course locale. Alors la course locale, c'est avec tous nos jeunes qui veulent bien monter à cheval et tout. Pour finir, il y a la course de stock. Donc la course de stock, c'est une course où tout le monde, ils y vont ensemble, ils tournent autour des pneus, ils reviennent et bon, c'est le premier qui arrive qui a gagné. Le soir en nocturne, nous avons le rodéo qui se passe dans le carré. Et pour les enfants, ce soir, principalement, nous allons faire un lâcher de poule. Donc on ne l'a jamais fait, on va essayer de le faire pour les enfants. On a décidé de faire un rodéo nocturne parce que en mois de novembre, il fait très chaud. Il n'y a pas assez de spots pour les enfants et tout. Donc on a préféré faire en nocturne moins de chaleur et surtout pour les bêtes. Parce que l'après-midi, toute la journée en restant dans le carré, ça les fatigue. Et donc après, l'après-midi, on a moins de... Enfin, ils ont du mal à sortir parce qu'ils sont très fatigués par rapport à la chaleur. Le but de cette journée, c'est déjà de récolter des fonds pour les garçons, pour les inscriptions de l'an prochain, dans les foires et tout partout où il y a du rodéo. Et parce que depuis un moment, ils ont une assurance, les garçons, donc ils sont obligés quand ils montent d'être assurés. Donc voilà, l'assurance, il faut payer tout ça, ça a un coût. Donc du coup, voilà, on prépare notre rodéo pour tout ça. On espère que l'année prochaine, il y aura plus de monde et qu'ils viendront soutenir parce que c'est dur des fois, on a des dons, mais c'est dur quand même d'avoir des dons. Et savoir qu'on est une association, chacun de nous travaille, donc c'est très dur le soir de se retrouver pour faire des réunions et puis d'organiser surtout des journées comme celle-ci. Il faut savoir qu'on n'est pas tous, on ne connaît pas tous les diverses tentes qui sont venues, donc c'est difficile. Donc voilà. On démarre ici entre les deux pneus, chronomètre, il démarre là, un coup de fouet. On ouvre la porte en fer, on laisse ouvert, après on fait le parcours, on revient, on passe la butte tout, on descend, on ouvre la porte arabe, on la referme, on passe dans le trou de boue, on referme cette porte qu'on a laissée ouverte et on reclaque un coup de fouet ici. Les filles, les enfants, ils passent là-bas, ils laissent la porte, ils laissent le trou de boue, ils referment juste celle-là et il n'y a pas de fouet. Ok? Voilà, merci aux locaux de participer.
En fait, aujourd'hui, là, vous êtes au rodéo de l'association des rodéomènes de Pointe-Bout. On a décidé de l'organiser en nocturne pour qu'il y ait moins de chaleur, comme on est en saison chaude. Quoi. Et ceux qui vous montrent ce soir, faites attention à vous. Et voilà, qu'on fasse de bonnes fêtes ensemble. Parce que celui, ce soir, a une malchance. Il ne va pas danser à Noël. Normalement, vous allez voir le spectacle tout à l'heure. Les bêtes, elles sont plus nerveuses la nuit. Elles se débrouillent mieux la nuit, les bêtes. Dans le rodéo, il y a vraiment beaucoup de risques. Hein. Il y a des risques de fracture. On ne va pas y penser avant un rodéo, mais paraplégie et tout, c'est quand même assez dangereux. En fait, on pousse le cheval jusqu'à dans la coulisse de sellage. Arrivé dans la coulisse de sellage, on lui met le licol, la longe, on le tient. On met le tapis, la selle. Et après, on appelle un ticker. Si ça passe derrière, entre les hanches, et ça, à la sortie, dès qu'ils ouvrent la boîte, on sert. C'est ce qui va le gêner, qui va le permettre de se ruer. C'est ça qui va le permettre de bouquer. Enfin, nous, on conseille que quand tu vois que tu vas tomber, essaye pas de forcer pour te tenir. Quoi. Parce que là, tu peux te pencher sur un côté et tu peux vraiment te faire mal. Quoi. Tu essayes de faire ton maximum pour faire tes 8 secondes et puis si tu vois que tu lâches prise, ben, essaye déjà d'amortir ta chute. Quoi. Il y a certaines bêtes, tu vas réussir à suivre leur rythme, il y a d'autres qui ont un rythme fou. Il faut s'adapter à la cadence de la bête. Quoi. L'idéal, c'est de sortir les deux premières secondes, tu essaies de prendre la cadence de la bête. Si tu la suis, c'est bon. Après, si tu n'arrives pas, tu fais du mieux que tu peux. Pour cette discipline, ben, il faut quand même avoir une bonne condition physique, puis avoir de la force, puis savoir encaisser les coups. Quoi. C'est sûr que l'idéal, c'est d'être sportif et puis souple. Ouais. On a un juge avec un chronomètre. Déjà, il faut que la personne elle fasse 8 secondes. Après, ensuite, c'est comment il se tient, sa tenue sur le cheval. Il ne faut pas qu'il touche de la main gauche aussi, sinon il est disqualifié. Il ne faut pas qu'il change de la longe de main. Et puis, il faut qu'il les prenne au maximum. Les règles pour le rodéo, nous, on se base beaucoup sur le système australien, comme ils sont plus proches de nous. Et là, depuis l'année dernière, on a la fédération qui s'est mise en place avec un règlement intérieur. Du coup, maintenant, pour les ports de casque, les ports des gilets sont obligatoires. Il y a beaucoup de règles de sécurité. Ce n'était pas le cas avant. Avant, on montait simplement comme ça. Il faut déjà avoir une association, être en règle, un associant, et puis après s'inscrire à la fédération calédonienne de rodéo. Et nous, on a décidé de faire un rodéo nocturne parce que déjà, on avait fait l'année dernière, ça avait très bien marché. Et comme ici, on est un pays où il fait extrêmement chaud en fin d'année, donc on a remarqué que les bêtes se travaillaient mieux et puis elles ruaient mieux, bougeaient mieux dans le carré quoi, la nuit. Et depuis là, on a décidé de faire nos rodéos en nocturne. Et je pense que d'ici l'année prochaine, on fera notre spécialité ici, on fera que du nocturne. La commune nous mettra en place l'éclairage du site et ce sera plus facile pour nous. Là, à l'heure actuelle, on n'a pas d'électricité, c'est compliqué d'organiser un rodéo nocturne. Je voulais remercier tout le monde qui est venu, qui s'est déplacé pour nous voir, pour ces prestations. Et puis remercier les bénévoles, les aides. Et puis ben, merci à tout le monde pour ce soir. Olé! Voilà, donc c'est vrai que ce sport a bien évolué et aujourd'hui, il doit répondre justement à une réglementation qui va protéger les pratiquants de cette discipline. C'est vrai, Lise. Alors, on a pu entendre dans le sujet qu'on parlait un peu de nouvelles tenues réglementaires, c'est des vestes, oui. Des gilets de protection. Et puis, ben, à côté de ça, on a, depuis le mois d'août, je crois, depuis la foire de Thiou, dernière foire de Thiou, ben, c'était le premier événement, je crois, les premières compétitions de rodéo auxquelles les rodéomènes ont participé en étant assurés. Ça, c'est une des nouvelles réglementations qui est imposée par la Fédération calédonienne de rodéo. Et puis, voilà, tout ça pour dire que la pratique, cette activité-là, ce sport-là, il se structure petit à petit et puis
Là, on a déjà les rodéomènes et bientôt les clowns là, de rodéo qui vont être assurés et puis qui vont avoir un statut reconnu, quoi, reconnu, d'accord, protégé. Ça se fait petit à petit, mais sûrement, on va dire ça comme ça. Mmh. Bon, bah, on invitera, on va dire, les responsables justement de ces structures pour pouvoir nous en dire plus la prochaine fois. C'est pour un invité du jour, par exemple. Voilà, je fais un appel. Merci, Duke. Merci, Élise, et merci encore à vous à la maison. Allez, on retrouve donc notre amie Marie-Hélène pour notre rubrique Job et Éducation. Alors, le métier du jour est celui de maréchal ferrant. Donc, cet artisan s'occupe des pieds, donc des chevaux, des ânes, des poneys. Il pose justement les fers, hein, Marie-Hélène, et entretient, ouais, les sabots de nos chères montures. Alors, bonjour Marie-Hélène, est-ce qu'il y a justement des maréchaux ferrants au pays? Oui, Élise, bonjour. Hein, et bonjour à vous, chers téléspectateurs. En effet, hein, difficile de savoir combien ils sont, hein, mais apparemment, ils seraient une dizaine, hein, donc, de professionnels, voilà, d'artisans donc, sur le territoire, hein, d'après François Rigaud, que l'on va rencontrer, hein, dans le reportage de Maralure tout à l'heure. Mmh. Donc il faut savoir que ces artisans-là, en général, ils travaillent donc soit en tant que travailleurs indépendants, mmh, soit ils sont salariés, Élise. D'accord. Et puis c'est aussi un métier qui est souvent exercé par les hommes, mmh, mais il faut savoir que les femmes, il y a aussi des femmes. Exactement, voilà, sont aussi intéressées par le métier. Il y en a une d'ailleurs qui officie du côté de la foi. D'accord. Elle s'appelle Marion Berger, voilà, et donc voilà, elle exerce, mmh, le métier de maréchal ferrant. Alors, à mon avis, c'est un métier, on va dire, passion, hein, que l'on exerce, on va dire, pas par hasard. C'est plutôt héréditaire. Héréditaire, je ne sais pas si ça se transmet de père en fils ouais, ou de père, voilà, tu vois ce que je veux dire, oui, mais il faut savoir qu'on a forcément une rencontre ou, oui, un, d'accord, événement en fait qui a provoqué, si tu veux, l'envie, hein, d'exercer ce métier. Pour François Rigaud, qui est maréchal ferrant ici au pays, donc il a donc été cavalier pendant plusieurs années. D'accord. En allant donc au club équestre, il a découvert en fait le métier de maréchal ferrant, okay, et du coup avec les années qui ont passé, ben voilà, l'envie d'exercer le métier ne l'a jamais quitté, donc il a poursuivi. Une passion, quoi. Bah, il avait déjà la passion des chevaux, mais, okay, il a eu envie, si tu veux, et ben, d'en faire son métier plus tard, parce qu'il était cavalier très très jeune, tu vois. D'accord. Et voilà, il a tout fait pour suivre une formation et pour exercer le métier. Alors ici au pays, donc, beaucoup de propriétaires de chevaux doivent avoir appris à ferrer justement leurs bêtes. Donc, oui, donc lorsqu'un jeune veut apprendre le métier, on a l'opportunité, ils peuvent justement apprendre à l'ancienne, comme on dit, apprendre sur le tas. Oui, je pense, oui, que ça doit se faire quand même sur les propriétés calédoniennes, oui, hein, hein, je pense. Par contre, si on a vraiment envie de connaître toutes les ficelles du métier et puis aller beaucoup plus loin, si tu veux, dans l'apprentissage de la technique ou pour découvrir, hein, de nouvelles façons de faire ou... voilà, on va dire s'enrichir, hein, mmh, professionnellement parlant, on peut suivre une formation. Ah, okay. Oui, oui, oui. Alors, apparemment, la Chambre des métiers a travaillé donc sur une formation à proposer ici à nos jeunes calédoniens. Mmh. Hein, la MIJ aussi, la Mission d'insertion des jeunes, a travaillé donc sur ce projet-là. Puis il y a des organismes de formation qui aussi sont prêts à proposer des stages et des formations. Donc c'est possible. Après, il faudra se renseigner justement auprès de toutes ces structures-là, mmh, pour savoir, voilà, ce qu'il est possible de faire. Mais, oui, Élise, oui, figure-toi qu'il y a aussi la possibilité de partir en métropole, voilà, okay, pour suivre une formation. En revanche, bon, il faut en fait partir à la fin de la troisième, quoi. Enfin, d'accord, après avoir terminé sa troisième, pour intégrer en fait, on va dire, une structure qui va nous permettre de passer un CAP-BEP. Okay. On parle du CAPA, en fait. Et il me semble qu'il y a aussi possibilité d'avoir un niveau bac. Oui, alors juste pour terminer, Élise, avec le CAPA, il s'agit, tu sais, du certificat donc d'aptitude professionnelle agricole, qui, okay, est donc une formation dispensée dans un lycée agricole, voilà, et donc à l'issue, si tu veux, de cette formation-là, le jeune, il est titulaire quand même d'un niveau CAP-BEP et il peut donc occuper un poste d'ouvrier agricole qualifié. Okay. Il faut savoir aussi que c'est une formation qu'on peut suivre soit en formation continue, donc dans le cadre d'un établissement, mmh, scolaire, soit en alternance.
alternance, c'est-à-dire en tant qu'apprenti. D'accord. On a son maître artisan. Et pour le bac Élise, tu as raison, il y a donc une possibilité. En fait, il s'agit donc de passer un BTM, c'est un brevet donc de technique des métiers, maréchal ferrant, ça dure 2 ans. D'accord. Et à l'issue de ça, on a le fameux niveau bac et ensuite on peut encadrer, on peut former, donc on a d'autres perspectives. Bon, voilà, il y a des possibilités, les jeunes, si vous voulez, poursuivre, pouvoir exercer ce métier. Ouais. Alors, est-ce que François Rigaud, dont on a parlé tout à l'heure, a suivi ce cursus finalement? Alors lui, François Rigaud, il a intégré une école, okay, en fait, nationale, professionnelle, donc des Arras, en Normandie. Donc la formation, elle dure 4 ans. Et figure-toi que la formation, elle est très très sélective, puisque, voilà, chaque année, ils reçoivent 150 dossiers, okay, donc ensuite, ils en sélectionnent que 80. Mmh. À l'issue de ça, après une semaine, si tu veux, de tests, ils n'en gardent que une dizaine à peu près, ils n'en gardent que 12, tu vois. Ah, c'est sélectif. Hein. Voilà, et vraiment, les jeunes qui vont rester donc, et suivre la formation ne sont que 6 Élise. D'accord. Donc 150 dossiers pour 6 places, quoi. Ben voilà, okay, exactement. Donc tu vois, c'est une formation qui est très très sélective. Et puis bon, après, tu vois, il faut pouvoir aller étudier en Normandie, puisque voilà, cette école, elle se trouve en Normandie. Ensuite, lui, il a passé donc le brevet technique des métiers dont on parlait tout à l'heure. Mmh. Donc aujourd'hui, il exerce le métier depuis une dizaine d'années. D'accord. Voilà, donc c'est un métier passion. Mais je te propose qu'on aille à sa rencontre, okay, grâce au reportage de Mara Lourdes. On va découvrir en quoi consiste le quotidien d'un maréchal ferrant. On the first part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rain. Le métier de maréchal ferrant consiste à entretenir les pieds des chevaux, de manière générale, mais de tous les équidés. Hein, il nous arrive aussi de faire des chèvres de temps en temps, mais de manière générale, les chevaux, les poneys, les ânes, voilà. Une journée type, elle commence le matin de bonne heure, hein, comme il fait très chaud. La première chose à faire, c'est le plein du camion, vérifier que tout le matériel est dans le camion, qu'on a le stock de fer nécessaire, les clous, tout le matériel pour travailler toute la journée. Et puis à partir de là, les rendez-vous ont été pris la veille ou la semaine d'avant, tout est programmé et on part sur la route et là on s'arrête progressivement chez chaque client. On connaît les noms des chevaux, les pieds, les tournures. Alors de temps en temps il y a des nouvelles naissances, hein, de temps en temps il y a des nouveaux clients, mais de manière générale oui, on connaît bien les clients et on connaît bien les chevaux. Dans mon véhicule il y a tout le matériel nécessaire, hein, à savoir qu'une forge, une enclume, après le petit matériel pour travailler, tous les petits outils et un stock de fer, une panoplie de fer de différentes tailles et en acier, en aluminium avec les clous. Voilà. Alors on peut fabriquer les fers sur mesure quand c'est nécessaire, mais nous les faisons venir de métropole ou alors on les prend ici sur le territoire à Nouméa. Les clients nous appellent pour intervenir sur les pieds des chevaux, c'est-à-dire soit faire un parage, le cheval est pieds nus, il a la corne qui pousse, elle pousse de trop, elle pousse de travers. Et donc là, il faut intervenir. C'est-à-dire qu'on coupe l'excédent de corne pour le mettre le pied bien d'aplomb. Voilà. Ou alors, éventuellement, pour mettre des fers sous les pieds des chevaux. Essentiellement pour que le cavalier puisse travailler avec sa monture tranquillement pour pas que le cheval ait mal au pied. Pour ce métier, je pense que les qualités requises seraient déjà un côté manuel, pour le côté pratique. Également la passion du cheval, de l'animal, beaucoup de patience également, parce que souvent l'animal n'est pas toujours coopérant. C'est un travail qui est parfois difficile, oui, parce que de par la posture que nous avons pour travailler, c'est pas évident. Souvent, surtout qu'ici, il fait très chaud, donc on est amené à travailler parfois dans les endroits où il n'y a pas beaucoup d'ombre, et c'est très physique, oui. C'est un métier épanouissant, oui. On est tous les jours dehors, on est tous les jours au contact des chevaux, c'est de la matière vivante, donc c'est passionnant. Ça change tous les jours, les chevaux sont jamais dans le même état d'esprit. On voit des gens différents, les clients sont jamais les mêmes. On bouge toute la journée, on est sur la route en permanence. Donc oui, c'est intéressant. Oui.
c'est du soin quotidien. Hein. Il faut savoir qu'on retourne voir l'animal à peu près toutes les 4 à 6 semaines quand il s'agit d'un ferrage. Donc à force, on connaît le cheval. En l'abordant, on sait si ça va ou si ça va pas, si ça va bien se passer ou non. Et puis il y a un suivi du pied en ce qui concerne le ferrage et de l'état général du cheval. Oui. Chaque cheval est différent, chaque cheval a des pieds différents par rapport aux autres chevaux et puis par rapport même à ses deux pieds. Hein. Bon, il arrive d'avoir un cheval avec un petit pied et un grand pied. Donc c'est pour ça qu'on a différents fers avec différentes tailles. Et une fois qu'on prend la taille qui s'en rapproche le plus, et à partir de là, on modèle le fer pour qu'il corresponde correctement au pied du cheval. Le pied du cheval, la corne est comme nous, comme l'ongle, hein, ça pousse tous les jours et ça pousse en permanence à partir de ce qu'on appelle le bourrelet périoplique, c'est-à-dire à partir d'en haut. Et donc il faut intervenir toutes les 4 à 6 semaines pour justement enlever l'excédent de corne qui a poussé. Alors quand le cheval a des problèmes d'aplomb de pied, souvent le propriétaire commence par appeler le maréchal ferrant. Et après, si c'est nécessaire, on travaille avec le vétérinaire, suivant si le problème se situe au niveau des tendons, au niveau du pied ou non. Il y a complètement un aspect forgeron puisque dans la partie BTM de la formation, on apprend à fabriquer le fer à partir d'un lot peint de fer, hein, et on l'a fabriqué entièrement. Donc là, mes fers sont chauds, je l'ai nettoyé. Et donc une fois que mes fers sont prêts, ben je les positionne sur le pied du cheval pour voir si la forme que j'ai donnée au fer correspond à son pied. Là grand, voilà. Ok grand. Bien pépère, voilà. En ce qui concerne le ferrage du cheval, on va chercher le cheval, il a déjà ses 4 fers au pied, les ongles sont longs, donc nous on intervient, on enlève le fer, on taille la corne qui est en trop, on rechauffe le fer, on change de fer suivant si c'est nécessaire ou pas, et là on reporte le fer sur le pied pour vérifier que tout va bien. Une fois qu'on sait que tout va bien, on broche le fer à l'aide de clous, et une fois que le fer est broché, on rive la pointe des clous qui dépasse. Ouais, attention également, c'est le moment où le clou ressort du pied. Un moment un peu délicat, pas se blesser ni blesser le cheval. Pour les postérieurs, le pied n'est pas pris de la même manière, hein, il n'est pas pris entre les jambes. Et de manière générale, il faut toujours faire attention à l'arrière du cheval. Hein. On ne sait jamais les réactions qu'il peut avoir. Surtout faire attention à ne pas le surprendre. Il peut vite avoir peur et taper en voulant se défendre. Il y a toujours des imprévus par rapport à ce métier. Hein. C'est-à-dire qu'on part le matin, on ne sait jamais à quelle heure on va rentrer. On peut approximativement évaluer l'heure, mais il y a toujours soit un cheval qui ne se laisse pas faire, soit un cheval qui a affaire en plus qui n'était pas prévu, ou bien un client qui nous a oublié. Il y a toujours quelque chose, oui. Oui. Donc en Calédonie, on peut compter à peu près une dizaine de maréchaux ferrants. Hein, mais il y a beaucoup de gens, surtout en brousse, qui font eux-mêmes. Hein, voilà. Donc là, je fais le pariétal, hein, ce qu'on appelle le pariétal, c'est toujours pareil. Il y a un peu de corne qui a poussé sur la hauteur, donc j'enlève l'excédent afin que la paroi soit bien droite. Donc là, une fois que j'ai déferré le cheval, c'est-à-dire que j'ai enlevé le fer, maintenant je fais le parage. Le parage, il consiste à nettoyer le pied et enlever l'excédent de corne. Donc la fourchette, la sole, et la corne qui a poussé tout au long du ferrage des 4 à 6 semaines dont le cheval a été ferré. Voilà,
Donc impressionnant. Et puis désormais, ben, Marianne, on sait comment justement les chevaux sont en ferré. En tout cas, j'ai une petite idée parce que je voyais faire, mais de loin. Donc du coup, je n'ai pas vu de près. Mm-hmm. Et puis ça, c'est un peu impressionnant hein, quand tu vois. Je savais pas tu que. Tu découpes la corne comme ouais, ça. Ouais, je ne savais pas qu'en fait c'était de la corne, un peu comme non, des angles hein, qu'on lime. Et puis ben, apparemment, ça leur fait du bien. Donc on ne les voit pas bouger, mais bon, il faut faire attention à ce qu'ils. Donne pas un coup de sabot là, hein, c'est clair. Et puis, bah, baisser voilà, le maréchal Ferrand, en tout cas, c'est impressionnant. Oui, c'est vrai. Hein, moi, comme toi aussi, voilà, j'ai vraiment découvert quelque chose à travers ce reportage-là. Et en plus, faut savoir que le cheval, il ne souffre pas. Ben, c'est ça. Il n'a pas l'air de souffrir. On le voit bien dans le reportage. Et puis, il reste tranquille. Il a l'habitude. Bon, c'est vrai que c'est un métier assez éprouvant parce qu'il faut faire quatre pattes à chaque fois. C'est, imagine qu'il en ait 15 comme ça dans la journée. C'est, on peut comprendre que voilà, il est passionné, ça se voit que c'est un passionné. Ah oui, ça c'est certain. Et puis tu sais, pour le cheval, bon, c'est pas non plus confortable de rester comme ça, la patte en l'air, en attendant effectivement qu'il soit ferré, quoi. Et puis pour le maréchal Ferrand, c'est pas évident d'être tout le temps, tu vois, accroupi, mais penché, le genou fléchi, à faire le travail. Et c'est ça, je pense, qui doit être vraiment difficile avec le temps qui passe. Hein. Mmh. À tenir la position, bon, c'est pas simple, quoi. Hein. En tout cas, à la longue, on va dire que ce n'est pas évident hein, d'exercice métier, même s'il apporte beaucoup de joie et de satisfaction pour le cheval et pour justement le maréchal qui le fait avec passion. Et oui. Et puis après, il faut être disponible aussi pour les urgences, Élise. Ah bah oui. Et puis les journées, elles sont à rallonge aussi. Hein. Ouais. Voilà, hein. tu sais quand est-ce que tu pars, mais tu ne sais pas quand est-ce que tu reviens. C'est clair. Donc voilà, il y a tout ça aussi qui rentre en ligne de compte. Ensuite, ce qu'il y a de bien, c'est que tu rencontres aussi des propriétaires. Il y a un échange qui se fait aussi. Ce qu'il disait dans le reportage. Voilà, donc il y a le lien social aussi qui est agréable. Et puis voilà, quand on aime les chevaux, on est quand même ravis aussi de leur apporter ce bien-être là, quoi. Puis t'as vu la fumée du sabot aussi quand il pose le fer chaud là. Oui. Sur le ça sabot. Aussi, c'est impressionnant. Hein. Oui. Puis je pense qu'il faut pas être gêné par gêné, l'odeur, d'accord. À mon avis, que doit dégager la fumée là. Ok. Ouais. Je sais pas, j'ai envie d'assister vraiment à ce qui se passe parce que en vidéo tu vois pas, tu sens pas les odeurs et tout. Ouais. Ce que tu vois déjà, tu as une réaction, mais c'est vrai qu'on a envie d'être là, assister. C'est, déjà, je reste bouche bée parce que c'est impressionnant. Bon, je savais même pas que ça se passait comme ça. Mais dis-moi, en fait, ce métier, c'est un métier qui date, c'est un vieux métier. Oui, c'est un vieux métier, Élise. Il paraît qu'il date de plus de 3000 ans, tu vois. Il existe depuis plus de 3000 ans. D'accord. Je pense qu'il existe depuis qu'il y a des chevaux, en fait. Okay. Simplement, le nom n'était pas celui de maréchal Ferrand à l'époque. Hein, voilà. Les palefreniers, je pense, qui étaient peut-être un peu les premiers. Maréchaux Ferrand, après avec le temps, le nom du métier a évolué. Alors il faut savoir même qu'au début, si tu veux, on parlait donc de marche-calque, je ne sais pas si je le prononce bien, mais en tout cas c'est un terme, si tu veux, qui vient de la langue germanique, que parlaient les Francs à l'époque, les Francs étant donc les Allemands. Et petit à petit, si tu veux, on a donné ce nom de maréchal Ferrand donc, aux personnes qui exerçaient le métier, qui soignaient donc les chevaux et qui s'occupaient aussi de leur fer. Quoi. D'accord, alors juste par curiosité, combien y a-t-il de maréchaux Ferrand donc, en métropole? Alors, il y en a apparemment 1580. D'accord. Il y en a 1500 qui exercent en tant que travailleurs indépendants. Les autres, ils sont salariés ou ils travaillent pour l'armée. Parce qu'il faut savoir que dans l'armée, il y a une filière cheval, qu'on en retrouve justement dans le secteur de la gendarmerie, dans le secteur de l'armée de terre, et puis également du côté de la garde républicaine. Alors, un maréchal Ferrand peut-il justement se spécialiser ou évoluer vers d'autres fonctions? Oui, c'est possible, Élise. Alors justement, après les années qui passent, lorsqu'on est, on a envie de faire autre chose parce qu'on a mal un peu partout au corps, on peut se spécialiser en justement suivant une formation en orthopédie équine pour maîtriser tout ce qui tourne autour de l'anatomie du pied, du cheval, de sa constitution. De sa constitution, puis aussi des problèmes qui peuvent aussi surgir au fil du temps. Et puis ensuite, il acquérera, si tu veux, des connaissances en hippologie. Alors l'hippologie, en fait, c'est donc l'étude du cheval. Ça concerne l'anatomie, mais aussi le comportement du cheval et puis également son entretien. D'accord. Et puis, il va aussi, si tu veux, se perfectionner en soins vétérinaires et puis en chirurgie du pied.
Voilà. Bon, ben voilà, si vous souhaitez justement exercer ce métier, donc sachez qu'il y a une formation. Il faut juste vous renseigner. Donc, oui. Merci Marie-Hélène. Et puis, on continue, hein, on fait un point formation sur la gendarmerie hein, qui recrute exactement. Des volontaires. Oui, oui, oui. Alors, figure-toi qu'il y a une formation qui va s'organiser ici au pays, donc une formation de 3 mois pour devenir, en fait, gendarme adjoint volontaire. Donc, il faut savoir que cette formation va se dérouler du côté de Tantouta à partir de mai 2015. Donc, voilà, pour ceux qui sont intéressés. Alors, qui est concerné justement par cette formation? Alors, les jeunes qui sont donc de nationalité française et qui sont âgés de 17 à 26 ans, Élise. Aucun diplôme spécifique n'est requis pour voilà, faire acte de candidature. Ensuite, il faut savoir quand même qu'on s'engage pour 5 ans, hein, qu'on va être amené à servir voilà, pendant 5 ans dans une unité, mais qui se trouve donc sur le territoire. Alors, si on est intéressé, justement, où est-ce qu'on peut se renseigner, déposer une candidature? Alors, il faut se connecter au site internet. Donc, l'adresse est la suivante, hein, www.lagendarmerierecrute.fr. Donc on remplit les documents, les formulaires exactement, Élise, et il faut les rendre justement avant le 20 janvier 2015, Élise. Ensuite, si vous voulez des renseignements hein, sur le métier en fait de gendarme adjoint volontaire ou sur la formation, les jeunes, vous pouvez vous rendre donc au centre qui se trouve à Nouméa. Il s'agit donc du centre de recrutement concours sélection que l'on désigne par le nom de, par le sigle de CRCS. Voilà, c'est à la caserne Meunier à Nouméa. Il y a un numéro de téléphone que vous pouvez appeler, le 29 51 14. Et donc, bien évidemment, il y a des horaires d'ouverture, Élise. Ils sont ouverts donc, du lundi au vendredi, de 7h à 11h30, et puis de 13h30 à 17h. Voilà, et pour terminer, les inscriptions à l'université se poursuivent. Alors, rappelle-nous, Marianne, les dates limites pour s'inscrire. Alors, il faut s'inscrire avant le 30 janvier 2015. Au-delà de cette date, aucune inscription ne sera prise en compte. Voilà, c'est sérieux. Voilà, donc n'oubliez pas de vous organiser. Bien évidemment, ces inscriptions, elles concernent donc les lycéens donc, qui ont fait classe en Calédonie, donc qui étaient donc inscrits hein, en lycée en 2014. Et puis également, les étudiants qui étaient donc, déjà à l'université en 2014. Donc, il faut vous préinscrire. Donc, tous les renseignements sont en ligne hein, sur le site de l'université. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner et à vous organiser surtout. Voilà, une petite info qui me vient à la tête comme ça, les étudiants justement qui ont emprunté des livres à la bibliothèque de l'université doivent les rendre, on va dire, avant la fin de l'année. Voilà, merci Marie-Hélène. C'est vrai, il faut le rappeler. Merci. À bientôt Élise, au revoir. Allez, on retrouve la chronique fin bon. Alors aujourd'hui dans ce fin bon, donc on va s'intéresser à un fruit très apprécié donc ici et partout d'ailleurs que l'on trouve donc facilement surtout en ce moment et puis peut-être des idées de plats pour la Noël. Donc alors dis-nous ce que tu sais sur ce fruit. Alors aujourd'hui Élise, on s'intéresse à l'ananas. Donc l'ananas c'est une plante xérophyte, c'est-à-dire qu'elle est capable de s'adapter aux milieux les plus secs de la planète. C'est pour ça que ça pousse partout. Voilà. Elle est originaire d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale et des Caraïbes. Il est principalement bien sûr consommé pour son fruit qu'on mange là en fait, hein, tu vois. Et puis pour la petite histoire, hein, faut savoir que l'ananas ça vient de nananana qui signifie parfum des parfums, c'est en langue amérindienne. Donc voilà, comme tu l'as dit, le fruit il est présent partout. D'ailleurs, tu sais, les premiers producteurs mondiaux d'ananas sont la Thaïlande, les Philippines, le Brésil, suivi de très près d'ailleurs par la Chine, l'Inde et le Nigeria. Donc tu vois, c'est un peu partout dans le monde où on peut cultiver ce fameux petit ananas. Et dis-moi, Davina, comment on peut préparer l'ananas? Parce que tu le sais, bah, ici, nous, on adore manger justement naturel. On le met dans le frigo, là, et puis... Et on mange comme ça, oui. Voilà, on mange comme ça. Alors, ou sinon, gâteau. Donc, le gâteau à l'ananas, on l'apprécie aussi également. Mais toi, est-ce que tu as trouvé justement des idées, on va dire, originales de ton côté avec l'ananas, à base d'ananas? Alors, j'ai pu trouver, oui, quelques petites recettes que je trouvais pas mal, que je voulais partager avec vous. Il y avait notamment le clafoutis ananas coco. Donc, c'est très simple hein, à faire. Il suffit juste que tu mélanges de la farine, du sucre et des œufs. Donc, tu en fais une pâte assez lisse. Hein. Ensuite, à ça, tu vas rajouter le lait de coco et puis le coco râpé. Voilà, toi, tu vas mélanger pendant un moment aussi pour que ça adhère bien à la pâte. Et ça, tu vas les mettre dans des petits ramequins.
D'accord. Que tu auras bien sûr beurré, machin, tu mets ta pâte dedans. Et puis, ben, tu mets tout ça, t'enfournes tout ça. Avant de l'enfourner, bien sûr, tu rajoutes des petits morceaux d'ananas à l'intérieur. Mmh. En fait, quand tu vas déguster, après, ça va faire comme genre le fondant au chocolat, mais là, avec l'ananas. Donc, ça va fendre. Tu vas le voir, de toute façon, quand tu vas le prendre dans la cuillère, ça fond déjà. Mmh. Donc, tu imagines dans la bouche ce que ça fait, c'est excellent. Si vous avez le temps, essayez un petit dessert pour vos enfants. Et puis aussi, bah, autre petite possibilité, tu peux le manger avec le chocolat. Tu prends des petits morceaux et puis tu trempes dans la fondue au chocolat. Mais je sais que tu n'aimes pas trop le chocolat, donc autre solution. Le chocolat noir, j'aime pas trop, mais bon. Mais ce chocolat noir, avec l'ananas, ça doit être bon. Bah oui, ça s'associe bien, tu devrais essayer un jour. Je vais essayer. Donc si tu veux pas trop le manger avec le chocolat, tu as aussi les viandes, Élise, hein, auxquelles tu peux associer l'ananas. Et là, je pense. Le poulet, par exemple. Voilà. Mmh. Donc le poulet à l'ananas, très simple aussi. Donc tu prends le poulet. Le mieux, c'est de prendre les blancs de poulet, tu sais, déjà découpés. Là, ils appellent ça des escalopes, mais en fait, c'est le blanc de poulet. Tu le coupes en petits morceaux, assez fins. Tu fais sauter ton poulet dans un wok avec de l'huile. Après, tu vas rajouter donc, le curry. Et de la cassonade, tu sais, le sucre roux en poudre. Mmh. Voilà, puis tu fais revenir tout ça jusqu'à ce que ce soit un peu doré. Quand c'est doré, tu rajoutes tes petits morceaux d'ananas. Tu fais tourner tout ça pendant une minute dans ton wok. Et après, tu rajoutes le jus d'ananas. Donc, il faut toujours garder le jus, c'est important, ça sert. Mmh. Et là, notamment, ça peut faire office de bouillon. Donc, et puis voilà, une fois que c'est fait, plus qu'à déguster. Alors là, tu m'as donné envie de manger. Alors, dis-nous pour aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous proposes justement en reportage? Alors aujourd'hui, je te propose que l'on aille suivre ce petit reportage qu'a filmé pour nous Mara Lourdes. Donc tout de suite, c'est la recette d'Everine d'ananas. Bonjour. La recette qui va être réalisée aujourd'hui est à base d'ananas et de crème de mascarpone. Et elle est très très facile à faire. Donc en premier lieu, eh bien, il faut de l'ananas, de la crème de mascarpone, des jaunes d'œufs, uniquement des jaunes d'œufs, du sucre vanillé, du miel. Voilà, c'est tout ce qu'il faut pour réaliser cette recette. Nous allons commencer par couper l'ananas en dés pour pouvoir le faire revenir à la poêle dans le miel. Ensuite, dans la poêle, je vais faire chauffer le miel. Et lorsqu'il sera chaud, je mettrai les ananas à l'intérieur de la poêle. Voilà, j'y arrive. Donc, avec ce miel, il est important de mettre une gousse de vanille fraîche, c'est très important. Alors je vais gratter ça pour mettre dans la poêle avec le miel. Maintenant je vais faire chauffer le miel et ensuite dès qu'il sera chaud je mettrai l'ananas à l'intérieur. Voilà. Nous allons attendre que le miel chauffe. Voilà, commence à devenir liquide. C'est très bien. Je mélange un petit peu et puis je vais laisser, peut-être que je vais rajouter un petit peu de miel parce que l'ananas est assez gros. C'est une recette qui est quand même bien sucrée. Alors, mais je pense que là ça va. Donc il faut laisser cuire parce que l'ananas rend pas mal d'eau. En attendant que ça cuise, je vais préparer la crème de mascarpone. Donc je vais prendre mes jaunes d'œufs,
les 4 sachets de sucre vanillé que je vais mélanger avec les jaunes. Et ensuite, je rajouterai la crème de mascarpone. Pendant ce temps-là, l'ananas continue à cuire. Il faut qu'il arrive à avoir une couleur ambrée. Le résultat, c'est ça, en fait. Et là, je prends la crème de mascarpone que je mets dans les œufs. Et je mélange à nouveau. Pour que ce soit homogène. En fait, c'est ce qui est le plus long, c'est qu'il perde toute son eau. C'est la partie la plus longue de la recette. On va laisser encore un tout petit peu, mais la couleur déjà a changé. On voit que c'est plus ambré. Et c'est le but à atteindre. Je vais laisser encore un tout petit peu. Voilà, ça y est, c'est bon, c'est caramélisé là. Il ne faut pas que ce soit trop dur après. On va laisser refroidir et il ne faut pas que le miel après soit compact. Faut que ça reste quand même un petit peu onctueux, liquide. Donc là, je vais mettre à refroidir parce qu'on ne peut pas mettre sur la crème de mascarpone qui est froide l'ananas chaud, brûlant. Donc on va les laisser refroidir et ensuite on garnira nos verrines. Voilà, nous avons laissé refroidir l'ananas et on va commencer le dressage des verrines. Donc je mets une petite louche de crème de mascarpone déjà dans chaque verrine. Et nous allons mettre tout ça au réfrigérateur pendant bien 2 heures, que ce soit bien frais. Et après, je pourrai servir. Voilà. Voilà, donc une petite recette à essayer chez vous, pourquoi pas, pour la Noël ou pour le réveillon. Pas. Et donc, est-ce que tu as justement des tuyaux à donner à nos chers amis téléspectateurs pour reconnaître un bon fruit, un bon ananas ? Donc, pour ceux qui ne le savent pas, donc moi je ne savais pas, je partage avec vous déjà le parfum. Si un ananas sent fort, c'est déjà signe qu'il est mûr et qu'il est à terme, tu peux déjà le consommer. D'accord. Par contre, il faut faire attention, la couleur de la peau, on va dire, du contour de l'ananas, s'il est vert, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'est pas mûr. Ok, donc, moi, j'ai cru que quand c'est jaune, voilà quoi. Non, mais pas forcément, tu sais. Okay.
Donc il faut faire attention. Si au toucher aussi les mous, c'est que déjà il est plus très très frais, il faut essayer de prendre un autre fruit. Mmh. Bon, qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre? Si vous allez au marché, vous avez le choix entre plusieurs fruits qui ont la même taille, tu sais, la même taille, la même, le même. Bah, faut que tu les prennes dans tes mains et celui qui est le plus lourd, c'est celui que tu pourras prendre. Okay. Parce que ça voudra dire que bah, il est plein de jus, il va être plein de sucre, il va être bon à manger aussi. Par contre, attention, en parlant de sucre, évitez de prendre les ananas en boîte parce que bah, y a beaucoup de sucre ajouté dedans. Donc, il vaut mieux le manger au naturel. Voilà, donc un bon conseil. Et pour quant à sa conservation? Alors, quant à la conservation de l'ananas, c'est sûr que quand on a un, il vaut mieux que tu essaies de le laisser à température ambiante si tu vas le manger dans les jours qui suivent, dans aujourd'hui ou demain par exemple, tu vois. Donc, mais sinon, si tu n'as vraiment pas le choix et que tu ne peux pas le consommer tout de suite, bah, tu peux le mettre au réfrigérateur, pardon. Tu le mets dans un sac de conservation et puis tu fais des trous dedans pour éviter qu'il reste enfermé et puis qu'il mûrisse plus vite que prévu. Okay. Donc si tu fais ça, tu peux le mettre dans ton bac à légumes et le garder jusqu'à 4-5 jours, voir si vraiment tu en as besoin dans les jours qui viennent, pas tout de suite, bah, tu peux faire ça. Bon, tu peux le congeler aussi, mais bon, moi je sais que si j'ai un ananas à la maison, je ne vais pas, vais pas avoir l'idée de le conserver, je vais plutôt le manger tout de suite, mais il se conserve très bien au congélateur, il peut rester jusqu'à 3 mois. Mais par contre, bon, si tu en as 15, ouais, si tu en as 15, oui, mais après il faut savoir qu'au-delà de 3 mois, il va perdre de son goût et puis il ne sera plus vraiment un ananas, quoi, tu vois. D'accord. Et concernant sa conservation? Alors, à température ambiante, il peut être conservé 1 ou 2 jours maximum. Après, sinon, si tu ne veux pas le consommer dans les jours qui suivent l'achat, ben, faut que tu le mettes vraiment au réfrigérateur. Okay. Donc là, tu le mets dans un sachet, enfin un pochon, là, puis tu fais des trous pour éviter qu'il mûrisse plus vite que prévu. Et le fait qu'il soit aéré, ça l'aide à être conservé plus longtemps. Et là, tu pourras le garder 4 voire 5 jours. Donc voilà. Ah, pas plus. Non, après, il a tendance quand même à vite mûrir. Donc, vaut mieux que tu le manges plus vite que 4 à 5 jours, quoi. Après, si tu veux le congeler, chose qu'on ne fait pas trop, mais si tu en as énormément, imaginons, et puis que tu veux en garder pour plus tard, tu peux le conserver au congélateur. 3 mois, tu peux le garder. Okay. Après 3 mois, il faut éviter parce qu'après, bah, il perd de son goût et il perd de ses valeurs nutritives aussi. D'accord. Et autre chose pour terminer sur l'ananas ou c'est tout? Non, je voulais juste terminer en disant qu'il ne fallait pas hésiter à manger parce que c'est bon pour la santé. Dedans, il y a des bromélines, donc c'est des enzymes qui ont des actions multiples. Notamment, ils sont anti-inflammatoires, anti-tumorales, pour ne citer que ça. Je sais que dans certains pays, ils utilisent par exemple le jus d'ananas pour attendrir la viande. Tu sais, tu le mets à macérer, bah, dans le jus d'ananas, il paraît que ça ramollit bien la viande. Je pensais à ceux qui mangeaient de la viande de cerf, notamment, si vous voulez chercher quelque chose pour aider à attendrir la viande de cerf, bah, le jus d'ananas, c'est pas mal. Et puis, petite info insolite pour terminer, j'ai appris qu'au Congo, ils aimaient tellement l'ananas qu'ils en ont fait une bière nationale. Donc, voilà. Pourquoi pas. Bon, bah, c'est pour l'été qui sait. Merci, Davina. Merci, Élise, et au revoir tout le monde. Allez, on passe tout de suite à notre rubrique « On s'occupe de vous ». Bonjour Anna, donc nous parlons aujourd'hui du foyer Resnik, hein. On avait parlé déjà du foyer donc, dans une précédente rubrique, donc avec un reportage sur une activité un peu spéciale donc, proposée aux résidents. Les résidents donc, ont pu faire justement un petit voyage en ULM, donc dans le ciel juste en face en plus du foyer. Ça. Et cette fois-ci, nous revenons sur la journée d'anniversaire du foyer. Et donc celui-ci fêtait justement ses 20 bougies. Bonjour Élise et bonjour à tous. Oui, on parlait il n'y a pas très longtemps des résidents du foyer Resnik par rapport à leur petite virée dans le ciel de Nouméa donc en ULM. Et puis là, on revient encore avec eux, cette fois-ci pour l'anniversaire du foyer. Donc tu disais qu'il a fêté, donc il a soufflé plutôt ses 20 bougies. Donc foyer qui avait ouvert ses portes en mai 1994, donc voilà, pile d'où poil 20 ans. Pour rappel, ce foyer a une capacité de 42 places et il accueille donc en son sein des personnes qui sont handicapées, soit paraplégiques, tétraplégiques, hémiplégiques ou alors des infirmes moteurs cérébraux mais sans troubles du comportement. Alors les termes sont un peu techniques, c'est quoi la différence entre les deux cas? Alors, la différence entre tous ces termes, eh bien, tout simplement, on parle de paraplégie lorsqu'il s'agit d'une paralysie des membres inférieurs qui est associée à une paralysie donc d'une partie du tronc. D'accord. Ça, c'est pour
la paraplégie. Et qu'est-ce qui cause donc la paraplégie? Alors ça peut être un traumatisme, soit un accident de la route, ce qui est très fréquent ici. Ok, oui. Et voilà, pour la paraplégie, mais moi je m'y perds. Alors pour la tétraplégie, alors là ça correspond à la paralysie des quatre membres. D'accord. Alors là, qu'est-ce qui cause cette tétraplégie? Eh bien, ça peut être à la suite d'une fracture de la partie supérieure de la colonne vertébrale, ou ça peut être aussi dû à une infection. Voilà pour la tétraplégie. Maintenant, on passe à l'hémiplégie. Alors là, c'est lorsqu'il s'agit d'une paralysie qui n'atteint qu'un seul côté du corps. Ok. Alors là, pareil pour les causes, ça peut être une atteinte du système nerveux central qui a touché une partie du cerveau ou de la moelle épinière. Et enfin, on arrive à l'infirmité motrice cérébrale. Et là, il faut signaler que c'est quand même la première cause de handicap moteur de l'enfance. Et ça résulte de lésions, qui sont survenues lors du développement du fœtus ou du nourrisson. Voilà, et ça entraîne des troubles, soit moteurs ou cognitifs, donc troubles du langage, troubles sensoriels, voilà un peu pour ce qui est de tous ces termes un peu techniques. D'accord, donc j'espère, comme moi, un peu que vous avez, on va dire, plus ou moins compris la différence. Donc ce foyer est géré par l'ACH, hein, c'est ça? Oui, Élise, alors c'est l'ACH qui gère le foyer Resnick, mais il gère aussi un autre foyer, c'est le centre d'accueil spécialisé de Montravel. D'accord. Alors ce centre, il accueille chaque jour une vingtaine d'enfants polyhandicapés, qui sont âgés de 5 à 18 ans. Et puis il y a aussi le centre d'animation pour les adultes en situation de handicap. Ça, c'est toujours à Montravel, hein, et c'est géré par l'ACH. Je rappelle juste que l'ACH, c'est l'association calédonienne des handicapés. Oui, bien, on connaît bien hein, l'ACH ici. Ils ont beaucoup de choses pour les personnes en situation de handicap. Et justement, pour fêter dignement l'anniversaire du foyer Resnick, l'association donc, a mis les petits plats dans les grands. Et ce fut donc une journée festive et conviviale, n'est-ce pas, Anna? Oui, Élise, et puis on peut dire aussi que pour l'occasion, le foyer s'est paré de ses plus belles couleurs, puisque ils avaient garni un peu les tables avec des tissus, des bouts de manou colorés, ils avaient mis des fleurs, et il y a eu aussi un champ qui a été préparé par les résidents, donc pour accueillir les invités. Et puis, il y a aussi, tout au long de la journée, en fait, il y a eu des animations qui se sont succédées, avec des chorales qui sont venues chanter, il y a eu des danses. Enfin bref, c'était vraiment une journée festive, conviviale, tout le monde a pu s'amuser. Mais moi, je te propose plutôt de regarder tout ça en images. Si tu veux bien, nous allons voir tout de suite le reportage de Chloé Yentao. Aujourd'hui, donc, on commémore les 20 ans d'existence du foyer Paul Resnick. Donc un foyer qui a été créé à l'origine pour accueillir des personnes à mobilité réduite. Donc des personnes qui ne pouvaient pas rester chez elles parce que c'était trop difficile pour les parents de les garder. Des personnes aussi qui étaient en hôpital, mais qui n'étaient pas faits pour être en hôpital, qui occupaient un lit, mais qui ne devaient pas être à l'hôpital. Donc on a créé ce foyer-là pour toutes ces personnes-là. Voilà cette sculpture, réalisée donc par Jean-Michel qui est à côté de moi. Là. C'est un souvenir des 20 ans de Resnick. Mais ce bois, il n'a pas 20 ans. Ce bois, il est sorti de loin. Voilà, aujourd'hui, je suis content d'être ici, entouré du sculpteur, entouré de ceux dans la terre de qui on a planté ce bout de bois. C'est un moment solennel. Cette sculpture, je m'adresse aux résidents, il faudra la respecter. Il faudra faire attention. Il faudra l'entretenir. Parce que cette sculpture représente quelque chose. Ce n'est pas qu'un bout de bois. Cette sculpture a une âme. L'âme de ceux d'ici. Voilà, merci à vous. Ben, toute cette fête, en fait,
a été préparée par les résidents et le personnel. Ils se sont mobilisés depuis déjà plus d'un mois, ils se sont mobilisés pour préparer les colliers, les danses, les chants, et puis pour aussi que le foyer soit accueillant. Vous avez vu, les foyers sont très propres. Il y a des coups de peinture un peu par-ci, par-là. Donc tout le monde s'est mobilisé. Et je remercie aussi le personnel. Cette journée, c'est une grande fête avec plein d'animations. Des animations avec des danses, avec des chants, avec bien sûr un repas qui a été préparé pour l'occasion. Et je disais donc, je profite de l'occasion pour remercier toutes ces personnes qui viennent nous aider, aussi bien chanteurs, musiciens que danseurs, donc qui viennent gratuitement pour nous aider. Je crois que c'est un grand merci à eux, je profite de l'occasion. Voilà, donc c'était émouvant de voir toutes ces personnes du foyer oublier leur handicap pour une journée, donc on va dire pour une journée de fête et participer pleinement aux 20 ans du foyer Resnick. Oui, c'était bien parce que bon, c'est pas évident au quotidien de vivre avec un handicap. Voilà, pour une journée, ils ont pu oublier un peu tout ça. Et puis c'est important aussi, faut signaler que c'est important d'être soutenu, d'être entouré, soit par son entourage familial, mais aussi par des professionnels. Il faut quand même signaler le travail qui est fait par tous. Ces personnes. Voilà, donc bonne continuation à l'ACH et pour le travail avec les personnes handicapées, puis également à toutes les personnes qui œuvrent justement dans ce domaine. Des numéros de téléphone à transmettre à nos fidèles téléspectateurs là. Oui, alors j'ai celui du foyer Resnick. Alors, foyer de vie Resnick, c'est situé 8 rue Juliette Bernard à Nouville. Leur numéro de téléphone, le 26 95 90. Et puis je vous donne aussi celui de l'ACH à Moravel, qui est le 27 60 65. Merci Anna pour toutes ces informations. On te retrouve demain pour la rubrique en ce moment. Oui, à demain Élise et à demain à tout le monde. Voilà, c'est avec cette chronique que s'achève cette émission. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas, restez calé sur NCTV parce que la chaîne vous fait jouer un jeu mais surtout vous fait gagner des cadeaux pour cette fin d'année. Voilà, merci de nous avoir suivis. Tata à tous.